Je profite pour vous présenter cette exposition qui l'intitule Immigration au féminin, un siècle d'histoire en France, parce que d'habitude on pense l'immigration au masculin et c'est rare on la pense au féminin, d'où l'intérêt de cette exposition pour montrer que la femme elle était toujours présente dans l'immigration. Alors elle est composée de quatre étapes. La première étape c'est les pionnières, celles qui sont venues les premiers ici en France dès 1900, c'est les Nounous suisses, les Conchita espagnoles, les portugaises. Après, tout de suite, elle évoque la deuxième étape, c'est la deuxième guerre mondiale et la reconstruction. C'est où il y a une présence féminine dans l'immigration, où la France fait appel encore une fois à cette immigration, où il y a une présence féminine dans cette immigration. Troisième étape, c'est une fois cette immigration s'est installée, donc il y a tout un combat pour l'égalité des droits, c'est tout un combat pour un peu se loger dignement, travailler et défendre leur statut, surtout pour les papiers. Il y avait énormément de sans-papiers, énormément de gens qu'on a mis sans papiers parce qu'on a envie de les exploiter, donc ce qui explique énormément de combats pour l'égalité des droits. Pour n'évoquer qu'une seule étape ou un combat qui était mené, c'est la marche pour l'égalité, qui est connue par la marche des beurs, malheureusement. C'est une marche qui a mobilisé des centaines, des milliers de personnes pour un peu réclamer l'égalité de droit et qui se termine par la question de la mondialisation. Où sais-tu la femme dans ce combat pour l'égalité, pour le droit de se déplacer comme elle veut, pour un peu imposer son point de vue, d'autant plus que la question de la diversité culturelle s'installe, le mythe de retour disparaît, donc on est là, on fait partie de sa société, donc comment le défi qui nous attend, comment construire une société multiculturelle, multiethnique, basée sur la justice et l'égalité des droits.